Regardez les types pédaler. Hein. Veillez à ce que Pierre ne s'énerve pas. La chaleur met les cœurs à l'épreuve. Déjà, Hector, le mois dernier, je voudrais pas que cela devienne la spécialité des tournesols. Vous soupçonnez toujours Geneviève Herbert. Elle a 88 ans. Et Hector en avait 95. Le problème avec Geneviève, c'est qu'elle pense en avoir 20. Elle se déplace de chambre en chambre. T'as-tu vu, Herbert? Je crois qu'elle a jeté son dévolu sur André. Pardon? André, comme d'habitude. Je sais pas pourquoi je demande. Qu'est-ce que vous voulez pour votre petit déjeuner, hein? De la brioche? Oh oui, de la brioche. Y'en a pas! Vous avez l'air d'avoir un tempérament plutôt fougueux. Stop! Pas plus loin. Je fais ce que je veux, Bernard. Ce n'est pas vous qui allez me dicter ma conduite. André! Quoi? André, pourquoi me parlez-vous de cet André tout le temps? C'est un ami à vous? Vous voulez me le présenter? Cette femme va me rendre fou. 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 Elle me mène à la babade baguette. Elle me mène à la babade baguette. Il est hors de question que vous sortiez demain, Pierre, vous m'entendez? Quand j'ai vu que le tour passait en ville, mon cœur s'est mis à battre à tout rond. Pierre, vous ne sortirez pas demain. Ôtez-vous cette idée de la tête. Copie surnommée le héron, gagna le tour en 49 et 52. Vous regarderez la course sur la tablette. Mais oui, d'accord. Faudra pas m'attendre, je mangerai un sandwich sur le rond-point. Pierre, vous resterez. Je connais mon boulot, c'est pas vous qui allez me l'apprendre. D'abord, vous allez me parler sur un autre ton. Et vous allez arrêter de me traiter d'empoisonneuse. Qu'est-ce qui se passe, là? Herbert! Les résidents! Les résidents! Herbert! Calmez-vous, Catherine, parce que... Les résidents! Herbert! Tous les résidents de sortie! Herbert! Les résidents! Mais quoi, ils sont morts? La chaîne du froid a été rompue par négligence! Je vais aller payer des véhicules! Je vais aller payer des véhicules! Je suis la directrice des tournesols et tous les résidents sont à l'hôpital. Je vais tomber, Herbert. Ça y est, je tombe. Attendez, hop, laissez-vous aller, voilà. Appuyez-vous sur moi. Vous êtes une femme exceptionnelle. Mais si. Mais si. Mais si. Mais si. Mais si. Mais si. Non. Mais si. Non. Mais si. Mais si. Mais si. Mais non. Mais si. Mais non. Mais si. Mais si. Mais non. Prendre des risques pareils pour voir passer des vélos. C'était la folie, Herbert. Je n'en peux plus. Le Tour de France, Herbert, le Tour de... Excusez si je dérange. Sabine, ce n'est pas ce que vous croyez. Oh. Au soleil mio. André. Oui, d'accord, arrêtez un petit peu, arrêtez une minute, vous voulez bien? André, vous savez garder un secret? À partir d'un certain âge, on n'aime pas employer cette expression, mais tant pis, je la dis quand même. Je suis une ton. Mais Geneviève, je vais vous dire, ce n'est pas une gondolière. C'est Caron sur le Styx. Oui.
Caron. Bon, ça marque. Le Styx. Bon, écoutez, Geneviève n'emmène pas en promenade, hein. Elle propose de longs voyages, de très longs voyages. Dont on ne revient pas. Et c'est ce qui m'attire chez elle, son côté fatal. Jamais une femme ne m'a fait une telle impression. D'elle, je suis épris d'une passion anormale. Je n'ai jamais ressenti de telles sensations. Mais quelle pipette, c'est pas possible, toujours à jacasser. Vous savez ce que vous êtes? Un goujat, doublé d'un malotru. Faut aller dormir, mamie, à votre âge, on a besoin de se reposer. Vous êtes tout simplement odieux. Au lit, la fiole. Vous êtes un putain d'être mort. Vous avez chaud. Moi aussi j'ai chaud. Vous savez que vous pouvez compter sur moi. Vous avez chaud. Moi aussi j'ai chaud. Vous savez que vous pouvez compter sur moi. Très longtemps. Petite coquine. Café, Sabine. Merci. Ensuite. J'ai une faim de loup. Je mangerai un cheval. Un vrai cosaque. Hey. 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 Ah. Longtemps, je me suis couché de bonheur. Je n'ai jamais. Vous étiez où? J'ai dormi dans la buanderie. Pourquoi? Je sais pas. Je voulais pas dormir dans ma chambre. Pourquoi? Je voulais sortir, être ailleurs. Mais pourquoi? Parce que... Arrêtez de gueuler! Je ne supporte pas que vous gueuliez comme ça à tout moment et puis n'importe quoi. Ben oui, mais dites-moi comment faire. Je ne peux tout simplement. De communiquer, qui donne envie de ne plus jamais parler. Oh,
Et ce qu'il y a de plus beau dans le vélo, c'est le Tour de France. Nous sommes de vrais mordus tous les deux, hein. J'avais 13 ans quand Bernard Tévret gagna son premier tour. Réalisez moi-même un maillot à demi Peugeot à l'aide d'un gros marqueur noir. Ça m'avait pris des jours, j'en étais très très fier. Je roulais avec sur mon vélo. Vous allez les filmer avec la caméra. Quand elle dira Tour de France, vous appuyerez sur le bouton. Allez, levez-vous. Allez. Vous voulez quoi? Parce que vous pouvez être emmerdant. Quand ils s'embrassent. Vous y allez, vous appuyez tout de suite. Hein. Vous voulez qu'on s'embrasse? Qu'est-ce que vous racontez? Maintenant? Attendez, Pierre. Je vous plais, je suis pas trop vieux. Pierre, attendez. Et je ne comprends pas ce qu'elle veut. Des fois, je pense que c'est ça qu'elle veut. Eh ben non, et pourtant, j'étais sûr que c'était ça qu'elle voulait. Alors, est-ce que c'est ça qu'elle veut? Tout en disant qu'elle ne veut pas. Veut-elle finalement ce qu'elle ne veut pas vouloir? C'est autre chose.